Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, nous revoici sur Isaac. On repart sur une run classique avec Apollyon. On l'a débloqué il n'y a pas longtemps. On n'a encore rien fait avec. Bon, il a un item sur lui qui aspire les objets et qui nous permet d'avoir des stats up. Alors ça aspire tous les objets, sauf que c'est des stats up aléatoires, hein, ça donne une stat ou deux aléatoires. Mais sauf si on avale avec notre objet un space bar item, un item utilisable, à chaque fois qu'on va utiliser le void, hein, donc l'objet qu'il a là, ça va refaire l'effet de l'objet qu'on aura mangé. Donc attention. Bon là c'était double shot, même s'il a été nerfé parce qu'on perd des dégâts maintenant en le prenant, mais ça reste double shot, donc on le prend. Avant c'était juste double shot, hein, c'était fini. Hein. Il n'y avait pas de dégâts down ou quoi, non non. Ok, bon bah ça c'est pas pour nous. On va essayer d'aller un peu vite, peut-être qu'il y a moyen de tenter un boss rush. Tant qu'on n'a pas fait les boss rush avec le personnage qu'on utilise, on essaye de le faire quoi. Et on n'a vraiment pas un mauvais item de départ donc. Et The Void avec lui est très bon. Hein. Ça permet vraiment de bouffer tous les objets qui ne nous intéressent pas. Et de s'augmenter quand même. J'aurais dû tenter la curse, je vois pas pourquoi j'y suis pas allé. Premier étage, c'est gratuit. Hein. Ben, c'est gratuit, non mais... Lui il a des cœurs rouges, on pouvait y aller quoi. On a peut-être repopé un cœur rouge quelque part dans l'étage mais... Comme je viens de le dire, bon bah ben, si on tente le boss rush... On va pas s'amuser à faire un aller-retour quoi. Cube of meat, ça m'intéresse pas, on bouffe, on a gagné de la range et de la shoot speed. Pourquoi pas? Curse of the blind. Mais arrêtez! Putain, mes chances! Ils m'ont poussé! Mes chances de Devil Deal dans le cul direct, première salle! Je suis curé direct! Ouais, c'était dangereux ça. Ah, mais du coup, on bypass, non? On bypass l'objet. On va pas y aller. Je vais le laisser, mais faut le prendre. On reviendra pas. Ah merde. Ah, sérieusement. J'ai pas de bombe, quoi. Je me fous dans la merde pour rien. Je me mets un cœur pour rien. Après, il y avait des chances. Hein. Ouais, il y avait des chances que je fasse ça pour rien. Mais bon, toujours l'espoir. Hein, l'espoir d'un fou. Mais l'espoir. Donc l'item room, on a dit non, on va pas le voir parce que c'est en blind. On peut aller chercher la bombe pour une clé, pourquoi pas. J'étais concentré sur les coffres, sur le coffre qu'on a vu en me disant tiens j'ai une bombe machin. Mais il faut surtout que je me concentre sur les ennemis en rentrant dans une salle. Hein. Ce serait pas mal, hein. J'ai qu'un cœur, on peut récupérer mais je préfère ouvrir ça hein, je pense. Un objet.
Écoutez, un HP up qui me remet. Qui me remet dans la course. J'ai pas vu de cœur bleu, mais bon, je préfère ça. J'ai pas vu de rocher marqué, quoi, c'est ça que je veux dire, mais... C'est pas la meilleure salle hein, pour les fighter. Hein. Fait exprès. Hein. Arrête. Viens. On pourrait void au pif. Mais on va prendre. En vrai, c'est pas si mal. On l'aurait void. Si on l'avait vu, on l'aurait void. Mais c'est pas si mal. Comment je peux... Je peux mal gérer mon coup comme ça. Comment? Comment fait-il? C'est impressionnant. Je l'ai vu, hein, mais ma vitesse n'est... Et tel que je n'ai pas réussi à anticiper ça. Oh, j'avais espéré, hein. Il y a un rocher marqué, il y a un rocher marqué. Non, mais fumier! Je voulais juste passer là. Je m'y attendais pas celle-là. Je suis coincé. Je vais mourir. Je refuse de mourir. Je voulais garder ces cœurs bleus pour après mais... On fait peu de dégâts. Oh, c'est chiant ces attaques là à chaque fois. Ça peut arriver ça c'est. On a pris du tir rate et de la speed. Ok. On va chercher notre objet quand même. Hein. On en a bypass 1, on va pas en bypass 2. Hein. Faut pas déconner. On pourrait. Après, au pire, on le void. On l'avale. Pourtant, je voulais pas trop traîner sur cet étage, quoi. J'aurais pu mettre une bombe pour me barrer aussi. Liqueur noir, hein, dégâts de masse. Donc j'essaye, hein. J'essaye d'aller vite, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais non, mais pourquoi je fais ça? Drôle d'ambiance cette salle, hein, parce que ça me dit rien, je vois que c'est la première fois que je la vois. Par curiosité. Salopard. Putain mais voilà, tout est au fond quoi. Le magasin et le... L'item room, ils vont être au fond du fond.
Fallait y aller, hein. La cup, ok, c'est sympa. Ça, en revanche, je suis moins fan, là, tout de suite. Ah, mais tous mes cœurs bleus qui foutent le camp, hein. En même temps, j'ai rien à part double shot, et du coup... J'ai pas assez de charge. Il manque un pour la vallée. J'appuie, je fais ben merde, ça part pas. Il y avait une batterie, mais on va prendre ça. Après, si, il y avait la challenge room qu'on aurait pu faire, mais. Eh ben. Hein. Ah, j'aurais pu essayer la secret ici, on sait jamais. Je sais pas où je vais avec ça. Hein. Et surtout qu'on n'est pas à l'avance du coup pour le boss rush. Bah, c'est sûr qu'on n'est pas. C'est surtout qu'on n'est pas puissant quoi. Après, je demande pas être puissant tout de suite, mais un petit truc quoi quand même. On a quand même eu un tears up avec. C'est un ennemi d'élite, il m'a enlevé un. On sait pas combien j'ai, mais pas grand chose. Oh les coffres. Les coffres de la déception, quoi. C'est pas mal, hein. Deux fois que ça pète sur une araignée, là. J'aurais pu le prendre ce demi-cœur, je crois. Je suis pas full vie, quoique aussi. Je sais plus. Je sais plus si j'ai tous mes cœurs rouges, mais. Familier, il donne un coup de main quand même. Hein. Mais encore une fois, on n'a pas vu l'item, sérieux. Mais arrête de faire voilà. J'ai perdu mes chances de Devil Deal. Enfin, d'Angel Room plutôt. Mais non, bah. Voilà, mais c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Tears up, on va le prendre ça. Salut Ganon. On va chercher l'objet. Est-ce que je pense boss rush? Je crois qu'il faut oublier. Hein. Je suis tellement chié dessus là. Après, on n'avait pas beaucoup de place pour le boss là. Oh oui. Oui, je me trouve des excuses, oui. Que ça se trouve à 15 km comment ça marche? C'est con qu'on n'a pas la visibilité sur les cœurs parce que il y a moyen d'arnaquer un truc à cet étage là. Oh.
Tu tires et shoot speed, bon. En tears, on est bien. 13 minutes, on est où? Attaquant 2, on aurait encore 2 étages à faire. Ouais, mais mon stuff, j'ai 3 points de vie. Je vais jamais faire le boss rush, quoi. Allez, Magic Mushroom ici, là. On est plus à ça près, hein. Il est où? Il est où? J'ai pas beaucoup de vie, hein. C'est pour pouvoir prendre le cœur ennemi entier, là. C'était peut-être la mort, hein. S'il n'y avait pas de cœur. C'était peut-être la mort. Il n'y a pas un cœur bleu dans le shop, là. Et non. Il n'y a pas de cœur bleu dans le shop. Parce que ce n'est pas un shop. En tout cas, il a été squatté par quelqu'un. Steam Sale. Speed down. Ouais, mais ouais. Bon, en plus, il y a la secrète, elle est là. Il y avait moyen d'avoir accès... La cœur sans aller se blesser. Elle est pas là. Ouais, si tu veux. C'était quoi le trinkets là? Ouais, 2 trinkets qui m'intéressent pas. Eh ben, c'était pas un bon étage, hein. Il croit encore que j'ai le temps pour le boss rush, là. Il saute de ma gueule, ou... Mais crevez. Quelques piécettes par la même occasion. Ah mais le double shot du début là, il nous a bien... Il nous a bien biaisé. Hein. On s'est dit c'est parti, mais pas du tout. Hein. Sans dégâts, double shot, c'est de la merde, c'est ça le problème. C'est de la merde tout de suite, le mec. Bon, j'abuse peut-être un peu. Légèrement, mais bon. C'est dangereux ce que j'ai fait là. Au lieu de tourner normal, non, non. Je me suis dit, je vais rester sur place. Ouais, ouais, mais comment voulez-vous? J'ai pas assez de puissance, ça fait que je galère, là. Donc, à un moment, ils m'ont encerclé, quoi. Oh non, mais j'y vais hein, maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici? Damage up, mais speed down. Et HP up aussi. Hein. C'est pas si mal. C'est tout ce qui nous manquait. Hein, donc bon. C'est une luck up. Passe pas à côté de ça. On a encore 36%. Peut-être. L'espoir subsiste. Je peux pas.
peux pas aller dans cette challenge room parce que j'ai pas tout mes cœurs. Rocher marqué. C'est juste ça. Encore failli me faire toucher hein. De façon ridicule. Assez dommage hein, parce que regardez, avec un peu de dégâts, déjà on se sent mieux. Bon là j'ai fait n'importe quoi, mais on sent que les ennemis, voilà, ça crève plus vite. Et donc c'est dommage parce que le boss rush était envisageable quoi. Peut-être qu'il faut se dire hush quoi. Mec, tout de suite dans l'abus quoi. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont tout à droite avec moult chauve-souris. Il y en avait une qui explosait, elle m'a fait un peu peur. Ça commençait à s'approcher un peu de moi là. Un peu trop. On a trouvé l'objet ou pas? Ouais, on a trouvé l'objet. C'est juste le shop qu'on n'a pas trouvé. J'ai 27 balles quoi, j'ai envie d'aller jeter un œil, mais ouais, non mais... Je manque un peu de speed, hein. Ça aussi mon problème, j'aime bien avoir beaucoup de speed. Pardon? J'ai Steam Sale et tu me proposes un truc comme ça? Merde, c'est l'inverse. Je devais prendre le coupon, le claquer pour que l'autre il soit gratuit. J'ai fait n'importe quoi. Je prends les deux, mais du coup on aura un trinket quand on l'utilisera. Pourquoi je vais là du coup? Parce qu'on en a plus rien à foutre et que le boss rush c'est mort et que hush, il faut pas y penser. J'ai des autres cœurs ou pas? J'ai un cœur complet là-bas. Là, on a une machine. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous donner? Rien. Bah si, mais c'est un peu chiant d'aller la chercher entre les pics. You feel blessed. Je suis en train de me suicider, hein, mais c'est parce que c'est par dépit, en fait. C'est un peu con. Hein. J'ai l'impression de jeter ma run là, à faire ça. J'aurais peut-être pas dû. Là, il y avait des pierres, donc c'est pas possible que la secret soit là. Là, il y avait pas un truc à une tête de secret. Ici, c'est une tête de secret. On va essayer d'optimiser hein, quand même, parce que là, j'ai claqué tous mes cœurs, mais il n'y a pas moyen de refaire des cœurs ici. Disons que s'il y avait un mendiant, un truc, il y avait peut-être moyen, mais là... Ah si, il y a la challenge room, mais j'ai plus accès parce que j'ai pas ces cœurs. Ok, c'est pas mal. Ok. Nom de Dieu. Bon, on est à 46%, mais il faut pas se faire toucher. Putain, les challenge room, j'aurais dû claquer la challenge room avant. Bon, on va jouer la diagonale. Et claquer notre thune, quoi. Allez, donne-moi un petit cœur, un truc. Je sais pas quel espoir j'ai là-dessus, là. Cœur bleu.
C'est pas magnifique le cœur bleu? En gros, c'est tout ce qu'on attendait. Comme ça, j'ai le droit à me faire toucher. J'ai le droit de me faire toucher par le boss. Et garder mes 46%. On n'a pas trouvé la super secret. Elle est juste là. Oh. On est où là, Depth One? C'est pas un boss que j'apprécie, mais bon. En fait, il est pas si dur, hein. Le problème, c'est ses invocations, là. La plupart du temps, c'est ça le problème. On veut gérer les invocations tout en... Non, mais faut que j'arrête, hein. J'ai pris des coups qui viennent de nulle part, hein. Ça n'arrive pas, ça. Et donc double sum. Parce que j'ai pas l'Angel Room. Et j'ai pas assez de charge pour avaler cette merde. Ça va me donner un cœur rouge, cependant. Pourquoi ça m'a donné un demi-cœur rouge? C'est un demi-cœur, j'ai pas fait gaffe. Mes dégâts, ils ont diminué ou j'hallucine? J'étais pas à 4 tout à l'heure? Ouh! Les picots! Eh ben, bon. Mais ça, c'est mon problème hein, aussi. Hein. C'est mon côté boss rush là que j'ai toujours envie de faire en premier. Et du coup, après, quand je sais que j'ai foiré mon boss rush, j'ai envie de juste jeter la game, me dire, allez, on la recommence et on retente le boss rush. Mais pourquoi je vais là ? Oh, mais sérieusement, les salles, quoi. Pourquoi? Je m'attendais à tout, ça fait ça. Dégâts up, un trinket, hein, no. Bah, en fait, c'est bien no. C'est même parfait, no. On l'avait vu, hein, dans une autre run. Ça permet de plus avoir d'objets activables proposés. Ou que ce soit, donc au moins... on a le void, donc c'est très bien. On va pas le lâcher, quoi. Je sais plus ce qu'il fait, lui. Faut pas faire ça. Non! Non! Mais non! Mais non! Il y avait encore deux coffres à ouvrir! Il y avait encore une pilule à tester, il y avait des trucs! On y retourne quoi! C'est ça que ça veut dire? C'est-à-dire que ça va se voir quoi! Ça va se voir que j'ai plus de vie.
Il y avait quoi? Ouais, non, il y avait 10 balles là-dedans. C'était vraiment nul. Hein. Donne-moi un objet, toi. Ah ouais, mais c'est vrai. On avait visité cette salle, en plus. Après, je cherche des cœurs. Donc, Ils ont oublié d'en mettre, mais je cherche des cœurs. Skeleton key. Est-ce qu'on prend vraiment ou est-ce qu'on void du coup? Je la prends, hein, c'est 99 clés, mais... J'ai réussi à prendre une touche sur le picot. Je sais pas ce que j'ai foutu, hein. Je fais n'importe quoi. Alors j'avais laissé un cœur de côté, hein, derrière. Pour ceux qui se posent la question, parce que c'est un cœur rouge et bleu. Double couleur. Donc si on a tous nos cœurs rouges, ça devient un cœur bleu. Quand on le prend, ça donne un cœur bleu. Ah les salauds. Donc j'avais espéré trouver un truc qui fasse que je puisse recharger tous mes cœurs rouges. Et me dire, bah j'aurai un cœur bleu là de côté. Mais j'ai un doute. Mais là je commence à avoir un doute. Léger doute. Putain, comme ça, gratuit lui. Little Guiche, on va prendre, je pense. On void pas ça. Et on va le prendre tout de suite. Le petit pote, hein, qui fait des petites... Des petites larmes qui ralentissent les ennemis. Chariot, ok. Mais non, mais sérieusement. Non mais visiblement je suis pas chaud. Deux fois que je vais me coller à lui, hein. Deux fois d'affilée. C'était peut-être pas le même. Yes. Yes, Mother. J'ai mis les deux pièces parce que je me suis dit, je sens que cette partie elle est un peu morte. Autant que ça serve à quelque chose. Qu'est-ce que je voulais récupérer? Ah oui. Le Trinket Snow. On peut porter deux trinkets, donc autant y aller. J'ai pas expliqué ce trinket bleu là, c'est... Sorte de lentille. C'est pour avoir des chances en plus d'avoir oula. Les fameuses salles de planétarium qu'on n'a pas encore vues. Et étant donné que j'ai skippé un objet à un étage, donc j'ai 20% à chaque étage là, à chaque fois, bah 21% parce qu'on a un 1% de base. Et cet objet, je crois, me donne 7% en plus. Ou 8%, ou peut-être un truc dans ce style, quoi. Et du coup... Et ça nous donne aussi 7%, ou le nombre de pourcentage que ça doit donner, sur des étages à Womb et Womb 1, il me semble. Normalement, Womb, et Womb, Womb 1 et Womb 2, pardon. On n'a pas le droit au... Bah, c'est fini, quoi. On est censé ne plus pouvoir trouver de planétarium, hein, de salle de planétarium. Mais grâce à ce trinket, on a encore des chances d'en trouver. J'y retourne. Hein.
full health. Non mais elle était là en plus hein. Elle était là, il a fallu que je piffe la mauvaise pilule. On avait un full health tout de suite quoi, et on était serein. Bon, bon bah on peut aller au boss hein. Et du coup ouais on n'a pas trouvé de planétarium quoi, alors que pourtant j'ai skip un... Après c'était à quel étage? Je sais plus. Mais nom de Dieu! Je vais aller jouer aux dames là. Ça va me faire du bien. Hein. Je suis bon là, je suis bon aux dames. Je vais me faire un... Non mais on va... je vais me faire un petit solitaire, un truc là, je vais sortir un paquet de cartes. Je suis tellement nul à chier. Ouais, on a rien fait avec. Curse of the Blind, bah parfait. J'avais une barre de vie de malade. Hein. Mais nom de Dieu de pin, hein, je l'esquive et... Non, ça faisait longtemps. Là, je suis littéralement allé dessus. Hein. Bombes Arki. Ah merde. Je vais lui faire le couteau au cul là. Le coup du couteau au cul, je peux lui faire. On s'est marqué peut-être ? Cœur, ok. J'ai pas l'impression. Allons dans cette grande salle là. Cette grande salle de l'angoisse là. Oh, je suis pas allé me foutre dans un cul-de-sac, c'est parfait. Ça va, ça va. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Mais que... Mais qu'est-ce que c'est que ces salles de malades là? Ça va, mais. Quand même quoi! Nom de Dieu! C'est... Ah, j'allais dire, c'est un cul-de-sac? Non, pas du tout. Il a popé devant moi! Comment voulez-vous? Ah, je suis un peu déçu parce que j'aurais quand même voulu optimiser les premiers étages. Hein. Parce que là, ça vaut bien le coup de foncer. On le prend. Hein. Ah bah, la voilà.
Enfin, on en aura une. Au moins, on a vu quelque chose. C'est bizarre l'effet là. Il y a un effet chelou. Enfin, une salle de planétarium. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il faut une clé pour entrer. Et on a, je sais plus, 8-9 objets planétarium différents. Radiant Victory Sol. Attendez. Faut que je regarde un truc. Là, on sait pas combien j'ai de cœur, donc il y a des chances hein, que ça se finisse ici. Hein. On voit le boss, donc je sais quel planétarium c'est. En fait, c'est un planétarium. Alors, chacun a des effets différents. Certains sont visuels. La plupart du temps, quand même, faut quand même. Il y a des trucs cachés. Il faut regarder le wiki et jeter un œil. Et celui-là, en fait, on voit maintenant le boss à l'étage. Et ce qu'il faut faire, si on veut, hein, c'est aller tuer le boss. Et dès qu'on a tué le boss de l'étage, on a un stat-up. On a des dégâts up, des tears up, je crois, ou quelque chose comme ça, pour tout le reste de l'étage. Mais il faut d'abord tuer le boss. Alors, c'est ce planétarium hein, qui fait ça. Mais on verra pas le boss, de toute façon, là. Faut dire la vérité. Hein. J'arrive pas, là. J'arrive pas, je sais pas. J'ai fait deux grids juste avant, là. C'était peut-être le truc de trop, là. On a déjà eu des runs pires, non? Non, peut-être pas. Ah, sachez que c'est le... Voilà, j'allais dire. C'est Polaroid qui vient de proc. Quand on a qu'un demi-cœur. On a un bouclier, donc je savais hein, qu'il me restait qu'un demi-cœur. On a le collier de chat hein, qui donne 50% de chance de revivre à chaque fois. Ça s'est bien mis. Mais on a un demi-cœur. On a 99 bombes. C'est parti. On va donner des cœurs, lui. Putain, mais le boss... Regardez, j'ai suivi en me disant c'est par là le boss. Mais c'est un cul-de-sac. Ça se trouve, c'est à gauche du planétarium qu'il faut aller, quoi. On manque, hein. Ça manque, hein. Ça manque cruellement. De quoi? De tout. À part du T-Rate. Non, mais là, ça se voit. Là, ça commence à se voir, en revanche. Je me suis pas fait toucher par les deux petites araignées. Sérieux. C'est un dégât complet, hein, même la petite araignée. Hein. C'est ça le pire à cet étage. J'ai tellement envie d'aller chercher les pilules là. Ça fait deux fois qu'on a cette salle. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Disons que la première fois j'avais pas apprécié. Deuxième fois c'est pareil quoi. Mais dégage, dégage. Des cœurs partout. Easy le jeu, easy. Non, 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 non. Pourquoi il me rush le cœur là-bas, le cerveau vert? Ça rush ça depuis quand? Tous merdier, y a pas un rocher marqué là?
Luck down. Non, luck up. Tears down. Bien sûr, hein. Évidemment. Je sais pas pourquoi je pète tout ça. Le mec, ça y est. Il pète un câble. C'est jamais là, là. On va chercher la super secrète, mais bon, on va aller voir le boss, hein. Je suis à une touche de la mort, visiblement. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi ce pattern? Je repars en arrière. J'avais encore de la vie. Maintenant j'en ai plus, hein, parce qu'on a perdu le Devil Deal. L'Angel Room, hein, qu'on n'aura jamais vu, hein. J'y vais avec un demi-cœur, hein. C'est courageux de ma part. Voilà. Mais non, mais... écoute. On n'y arrivera pas. Je pourrais optimiser, mais... je l'ai jeté cette run depuis le début. Au bout de 10 minutes, j'ai jeté la run. À me claquer tous mes cœurs dans le truc pour avoir un coffre. J'ai fait n'importe quoi du début à la fin, donc je pense qu'il fallait que ça se finisse là-dessus, sur une mort. J'aurais pu, hein, repartir à l'étage et refaire des trucs, mais... j'avais plus envie, mais il y a des fois, c'est comme ça. Hein. Des fois, Isaac, c'est ça, c'est-à-dire que là, j'avais vraiment envie de jouer Isaac, et cette partie m'a dégoûté, quoi. Ça m'a énervé. Je sais pas pourquoi, parce que ça s'est plutôt bien passé, en plus. Hein. On a eu des bons, du bon loot correct, quoi. On aurait pu avoir des trucs pires, mais surtout qu'on avait Void, donc on s'est fait plaisir. Mais je sais pas, j'arrivais pas à esquiver. Mon cerveau est en décalage complet. Bon, ben voilà, on sait comment la vidéo s'appellera. Je vous fais des gros bisous quand même. Hein. Et on se tient au jus. Allez, salut!